Qu'est-ce qui se passe ici? Viens. Je crois qu'il se passe un truc. Mais qu'est-ce qui se passe? Essaye de m'ouvrir, vite! De quoi essaye de m'ouvrir? T'es enfermé? J'arrive pas à m'ouvrir! Attends. Mais non, mais j'arrive pas à t'ouvrir non plus! Elle est là! Non, mais c'est fermé, comment ça elle est là? Bah regarde! Qui? La poupée! Regarde, je sais si Esteban! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait ici, la poupée? Hé! Mais papy! Non, mais là il faut l'aider à sortir! C'est par le coffre! Par le coffre, vas-y, par le coffre! Comment il s'ouvre ce coffre? Il faut appuyer sur ça normalement! Attends! Ah, j'arrive pas! Vas-y, essaie de pousser de toutes tes forces! Vas-y! Allez! Vite, il faut le libérer! Mais je pourrais pas passer là par là! Passe par ici! Essaye d'ouvrir la porte! Mais on peut pas, c'est totalement bloqué! À deux! Je vous aide! Vas-y, il faut rentrer pour l'aider! Oui! Attends, rentre par là! Attends, j'arrive! Je vais t'aider à débloquer la porte! D'accord, attends, ouais! Tu vas nous expliquer! Tu pousses! Vas-y, pousse! En fait, je roulais tranquillement! Tu roulais dans la voiture? Oui. Et tout d'un coup, elle bouge, je regarde. Son bras il bouge. Ah oui, c'est vrai, la poupée. Pourquoi elle bouge comme ça? Mais j'en sais rien, si elle est apparue. Je m'étais arrêté sur un feu rouge, et puis tout d'un coup elle est apparue à côté de moi. T'étais en train de conduire et la poupée elle est apparue à côté de toi comme ça? Oui. Non, je veux pas la voir. Non mais, et qu'est-ce qu'elle a fait? Attends, je reprends mon souffle. Mais elle me dit, tu es sous mon contrôle, tu vas retourner chez toi et voir Esteban et Lily Rose et Valentin. Et toi, t'as pas voulu, je suppose. Bah, non, j'ai pas voulu, et puis elle m'a contrôlé. Et attends, puis, c'est la poupée qui te contrôle, non? Bah oui, là. N'importe quoi. Mais là, pour l'instant, regarde. Je vais essayer d'ouvrir les portes. Mais ouvre-moi, Esteban. Ah, mais je crois que je vais casser la. Ah, attends, c'est bon, j'ai réussi à ouvrir celle-là. Laisse le coffre ouvert, hein, j'ai pas envie de me retrouver enfermé à mon tour. Ouvre-moi ici, parce que je peux pas bouger. Bah, tu sens. De toutes tes forces. Ah, j'ai réussi. Bon. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que... Alors je sais pas si je suis content de la faire, on l'a démarré sans vraiment vouloir. J'ai entendu crier dans le garage et je me suis dit, oula, il se passe quelque chose, c'est peut-être le début d'une nouvelle vidéo. Et visiblement là, on va pas être déçus aujourd'hui, donc je vous demande vraiment de rester jusqu'à la fin. Parce que là, il va se passer à mon avis beaucoup de choses. Bon, alors en gros... Donc en gros, t'étais en train de conduire normalement et la poupée est arrivée d'un coup. Je m'arrête à un feu rouge, Esteban, et tout d'un coup elle apparaît. Il y a eu un nuage de fumée, et tout d'un coup elle était là à côté de moi. Heureusement que j'étais à un feu rouge parce que si je conduisais. Et en gros, t'as dû obéir à ses ordres, sinon il se passait des choses. Exactement. Donc si tu lui obéissais pas, et ben elle te contrôlait. Voilà, elle faisait n'importe quoi. Bon, écoutez, on va essayer de la prendre. C'est bon, maintenant ça, comme par hasard. Ne l'arrêtez pas de rigoler. Maintenant que t'es sorti de la voiture, ça s'ouvre tout seul. Je vais essayer de la prendre. On va la changer de pièce, on va pas la laisser dans la voiture. Parce que si on a besoin de la voiture et qu'elle nous contrôle, ça va pas le faire. Je te promets, tout à l'heure, elle bougeait, hein, Esteban, faut vraiment bouger. Peur. Attention, Valentin. C'est elle qui fait ça? J'ai rien entendu. Prends-la. C'est la poupée qui fait ce bruit-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que tu veux? Oula, moi je la pose. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je m'en vais, j'ai peur. Ah mais c'est elle qui parle. Qu'est-ce que tu veux là? Attends, moi je la pose. Elle a crié un gros stop. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu veux? Stop! Vous entendez? Oh non, attends. Qu'est-ce qu'on peut faire, Esteban? Peppa Pink doit s'allonger par terre. Oh non, qu'est-ce que c'est encore? Mais qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a dit Peppa Pink doit s'allonger par terre. Oh non, moi je m'en vais. Stop! Je peux même pas ouvrir la porte, Esteban. J'ai bloqué la porte. C'est vrai, elle a vraiment bloqué la porte. Tu t'as fermé la clé, non? Non, c'est la poupée. Oh, là, ça commence à m'inquiéter. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, je sais pas. Bah je sais pas. Je dois m'allonger, tu crois? Non, mais je pense qu'il faut lui obéir, sinon elle va se mettre à nous contrôler. Moi je m'allonge dans la voiture, si mais c'est non. ça. Elle a dit quoi? Stop! Peppa Pink doit s'allonger par terre. Elle a dit par terre. Là? Bah oui, hein, je suppose que c'est là par terre. Ouais, j'ose pas. Qu'est-ce qui va se passer? Bah j'en sais rien. Et là, attends. C'est bien! Maintenant, vous êtes sous mon contrôle. Ouais, mais j'aime pas trop là. Ce bazar. On aurait pas dû l'écouter. Non, mais elle a dit maintenant, vous êtes sous mon contrôle. Et on s'enfuit. Non, te lève pas. Pas te lève pas. Allongé. Te lève pas.
Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse avec la poupée ou je pas? Je sais pas, appelle la police, fait quelque chose, mais je veux pas mais voir la cette... la police, ils vont rien faire contre une poupée. Bah, je sais pas, t'as une solution en fait, peut-être. Le chat, surtout, n'entrez pas dans le garage, sinon vous allez être contrôlé par une poupée. Mmh. Regarde-moi quand je te parle. Hé, hey, Motus. Bon, tant pis. C'est Murphy, ça. En plus, c'est Murphy. Oh, c'est elle, Murphy. Bon, t'inquiète pas, Motus. Là. Non, ils veulent pas être contrôlés par la poupée, ça se voit. Bon, on va quand même aller voir Peppa Pink, on va essayer de le prendre. Et on verra bien. Peppa Pink, ça va? Vite, fais quelque chose parce que là, elle m'a demandé. Mais elle est où la poupée? Bah, elle m'a demandé de. Non, le chat! Bon, c'est pas grave. Lui, ça tombe, il va se faire contrôler par la poupée. Elle t'a demandé quoi? De me lever et de nettoyer la voiture avec elle. Elle t'a demandé de nettoyer la voiture? Bah, regarde là. Hein? Mais d'ailleurs, elle est où? Mais oui! Quand je suis rentré dans la pièce, elle était plus là. Bah, oh non, non, Esteban, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'en sais rien, moi. Mais je sais pas où elle est. Elle est pas là? Non. Pour pouvoir la chercher. Ah non, mais ça veut dire qu'elle est rentrée dans la maison maintenant. Dans la boutique peut-être. Elle est. Non, elle est pas là. Y'a quelqu'un? Eh oh! Non, je pense pas qu'elle soit ici. Y'a quelqu'un ici? Oh là 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 là. Bon, il faut la retrouver, les amis, pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Y'a qu'à. Ah ah. Elle a même cassé la poignée. Elle a cassé la porte. Tout le monde doit danser autour de moi, sinon une grande malédiction viendra cette nuit. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? On doit danser autour d'elle. Qu'est-ce que j'ai entendu? Attends, je vais réparer la porte quand même. Oh là là, elle a cassé ma poignée. Bon, il faut danser. Il faut danser autour d'elle. Allume la lumière. Oh là là. Tu sais danser, toi? Déplace-la au milieu de la pièce, on va danser. Ah, ah, ça me fait peur. C'est parti. J'ai pas envie de danser, j'ai pas envie. La 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 la. C'est quoi, on fait n'importe quoi là, c'est n'importe quoi Esteban. Vous devez m'obéir. Sinon, je vous hanterai jusqu'à la fin de votre vie. Je pense qu'on va lui obéir. C'était quoi la dernière fois pour s'en séparer? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas réussi à s'en débarrasser la dernière fois. On l'avait mise dans la voiture pour l'amener dans la forêt. Elle revient tout le temps. Pour la mettre dans la forêt pour l'abandonner là-bas. Mais elle est revenue toute seule. Ah! Ramenez-moi Lily Rose. Elle doit m'obéir aussi. Lily Rose, elle est avec ses copines. Elle est à l'école, oui. Non, elle est revenue. Là, il est 18h. Non, mais faut aller chercher Lily Rose. Bon, ok. Allez, bon. La poupée, on te laisse ici. On va chercher Lily Rose. Ah non, mais si on peut échanger Lily Rose contre notre tranquillité, moi ça me va. Mais si, ça tombe si on lui donne Lily Rose, peut-être qu'après elle va nous laisser tranquille. Allez, c'est parti. Bon, les amis, on va aller dans la chambre de Lily Rose. Et j'espère que si on arrive à ramener Lily Rose à la poupée, elle va nous laisser tranquille. Parce que là, il est 18h. Et j'ai pas envie qu'elle. C'est bientôt la tombée de la nuit. J'ai pas envie qu'elle nous embête toute la nuit, qu'elle. Même toute notre vie, quoi. Si Lily Rose, elle est pas là, Lily Rose. Mais Lily Rose, elle va être là. Je vois pas pourquoi elle serait pas là. Lily Rose! T'es là? Lily Rose! Bah non, c'est pas normal, elle est pas là. Où est-ce qu'elle est? Tu sais pas où elle est? Pour ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait là? Bah, elle était en bas. Mais non, mais elle était dans les pièces, par contre. Mais elle bouge toute seule. Vous ne trouvez pas Lily Rose? C'est normal. Seul moi, c'est où elle est. Comment ça? Apparemment, la poupée sait où est Lily Rose. Elle est où? Dis-moi. Ah non, non, là, il faut nous le dire. Dis-nous où elle est, vite. Non, mais ça suffit, là. Allez. Vous ne saurez pas où elle est. Maintenant, c'est moi qui vous contrôle tous. Obéissez-moi, et peut-être que je vous rendrai Lily Rose. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, alors? Mais faut arrêter de l'écouter, je pense que. Oh là 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 là. Elle nous manipule, c'est juste ça. Ouais, elle nous manipule, ça tombe, Lily Rose, elle est juste allée voir une copine, et ça tombe, elle est juste au parc ou voilà, ailleurs. Mais tu nous auras pas. Bon, je pense qu'il faut essayer de s'en redébarrasser une nouvelle fois. Mais de quelle manière, Esteban? J'en sais rien, moi, tu crois que je suis expert en poupée? Écoute-moi, bon, allez, je vais la prendre. Tant pis, s'il m'arrive quelque chose, mais moi je protège Lily Rose. Peppa Pink! Je te déteste! Ah non! Ah, tu vas m'obéir! Non! Allez, allonge-toi! Dans la petite salle! Ah non! Allonge-toi!
Ah non. Ah, tu peux pas. Tu peux pas faire autrement que de lui obéir, je pense. Attends, Régis. Allez. Bon, non, non. Vous, vous essayez de vous débarrasser de moi. Aidez-moi, les gars. C'est moi qui vais me débarrasser de vous. Dehors. Oh non, c'est pas possible. Je m'en vais, j'ai trop peur. Ça marche. Je suis libéré. Regarde, regarde. Allez, chatouille. Allez, chatouille. Allez, continuez. Allez, on descend jusqu'à la cave. Les pieds, les pieds, les pieds. Bon, bon, vite, vite, vite. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Ah, vite. Remettez-la dans la voiture, on va s'en débarrasser. On retourne dans la forêt. Allez. Pendant que... Arrêtez ça tout de suite. Pendant que je conduis, Valentin, tu fais des chatouilles. D'accord. Mais faut chatouiller la poupée, mettez-la dans le coffre. Allez, c'est parti. Allez, on y va, on y va. Allez. Lâchez-moi! Oui, je te lâche! Je vais dans le coffre avec elle! Allez, vite! Chatouillez-la! Chatouillez-la! Stéphane, viens! On va pas la laisser nous contrôler comme ça! Ah, surtout si elle contrôle aussi Lily Rose! Vas-y, continue à chatouiller! Allez, c'est parti! Chatouille, chatouille! Ah, c'est bon! Bon, on fait quoi? Bah, on va dans la forêt et on la jette! Lâchez-moi! Ah, non, 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 on te lâchera pas! Elle devient folle! On te lâchera pas! Continue à chatouiller! Et comment on démarre la voiture maintenant? J'ai oublié les clés. Oh. Où ça? En haut. Mais oui, t'as oublié les clés. Je suis bête. J'y vais. On continue à me chatouiller. Ouais, ouais, non, mais là, on n'aura pas le temps. Elle va vite nous. Elle va vite continuer à nous contrôler. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais arrête. Mais pourquoi elle fait ça? Attends, ouais, elle se jette sur moi là. On va tous sortir de la voiture et on va fermer la clé. Elle se jette sur moi comme ça. Je sais pas quoi faire. Bon. Les amis, je sais pas si on va pouvoir continuer comme ça. Alors on la laisse dans la voiture, on essaie de l'enfermer. Hop. Et vite, on va chercher les clés. Tous ensemble. Bon, les amis, on va essayer de s'en débarrasser, quoi qu'il arrive, parce qu'on en a vraiment marre. On en a très très marre. En tout cas, on va peut-être pas filmer quand on va dans la forêt pour s'en débarrasser. C'est peut-être de trop. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche si ce n'est pas fait. Et surtout, cliquez sur une vidéo qui apparaît juste ici pour continuer à suivre nos aventures totalement folles. À la prochaine. C'est bon, ciao, ciao, à plus.